Bonjour et bienvenue sur le stand Fiat pour la présentation de la 500X, la version 4x4 de la 500 qui mesure 4,25 m de long et qui se situe donc entre une 500L et une version living à 7 places. Cette 500X repose en fait sur le châssis du 4x4 Jeep Renegade, fabriqué lui aussi en Italie dans l'usine de Melfi. Le coffre propose 350 litres. Mais la modularité se limite à des dossiers fractionnables sans plancher plat. À l'arrière, l'espace est beaucoup moins grand que dans une 500L, mais suffisant pour deux adultes de taille moyenne. À l'avant, les sièges en cuir sont très épais, tout comme les contreportes bien rembourrées. La finition est d'ailleurs plus soignée que dans le Jeep Renegade, avec une planche de bord moussée à cœur dans sa partie supérieure et inférieure. L'italienne offre aussi plus de rangement avec des contreportes plus spacieuses et une double boîte à gants. On en a même devant le levier de vitesse. Sous le capot de ce modèle, on trouve un 1,4 litre turbo essence, mais l'essentiel des ventes se fera en diesel avec les 1,6 litre et 2 litres multijet. Le modèle présenté ici est une version urbaine en deux roues motrices, mais elle se décline aussi en version 4x4 avec une garde au sol relevée et des protections de bas de caisse, comme vous pouvez le voir ici. Fiat est donc maintenant bien armé pour lutter contre le Nissan Juke et le Renault Captur.